bien bonsoir tout le monde, bien bonjour toute la Guadeloupe, Martinique, Guyane, bien au-delà. Je sais que tous les jeudis à 16h, vous êtes déjà connectés sur votre page Facebook pour regarder Canal 10, mais plus exactement Event Culturel Baïnaïla. Et comme tous les jeudis, c'est un plaisir, mais sincèrement un plaisir de retrouver, mais plus particulièrement aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est la veille d'une fête qui se fait dans le monde entier. C'est les fêtes de Noël. Donc, on va dire qu'on est au réveillon. Et nous, quand on voit que tout bitin, j'apparais, chrobe là, cochon là, pois d'ibois là, ziyam là. Vraiment, Noël traditionnel de la Guadeloupe. Et ceux qui ne sont pas ici, vous savez, je sais que ça traverse les océans, même en bas là. Ma petite famille m'a déjà envoyé plein de photos et de vidéos pour se dire que la tradition se transporte. Tous ceux qui nous regardent de la France, franchement, maintenant, je peux vous dire un bon Noël, fêtez bien, sans modération, parce que vous êtes à casa, vous n'avez pas pris côté Zokai, et puis fêtez en pensant que c'est un jour de partage, un jour de joie, un jour de pardon. C'est le moment que nous avons dit qu'à c'est Noël, tout bitin belle. Mais on va revenir en Guadeloupe parce que vous savez que sur ce plateau, il y a du monde, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et je veux vous dire, c'est un point 3. Donc, il est originaire de Marie-Galante. Vive Marie-Galante. Donc, même là, il y aura regardé nous. Un gros bisou à Widia si elle me regarde. Éducateur socioculturel de profession, considéré comme un homme d'engagement. Alors, très tôt, il s'est intéressé, comme on dit, aux choses du terroir. Très proche de son grand-oncle Marie Galantet, donc il a su accepter et adopter l'héritage qu'il lui a transmis, des fortes valeurs, bien entendu, que beaucoup d'entre nous partagent, et telles que la solidarité, la famille, le respect et bien sûr le respect de cette terre mère. Alors c'est en 88, je vous donne un petit peu, vous allez deviner au fur et à mesure de qui je parle, qui s'intéresse de plus près au monde culturel et la musique groka, bien entendu. Il pratique de temps en temps, il fait de temps en temps, on va dire pratiquer, mais de temps en temps, il a fait l'école d'Ayakaz. Ouais, comme beaucoup d'entre nous, monter comme marron l'école, pour reprendre son expression, pour aller écouter d'ici et là, à Pointe-à-Pitre, les sons du groka et les grands maîtres comme Frise Naffer et Armand Acheron. Alors, sa passion pour la musique, il l'exerce d'abord dans le zouk avec un ami, puis, rien ne pas jamais satisfait, nous toujours besoin, toujours plus loin. Alors, il s'investit dans un milieu associatif. Et il crée un groupe à Pau. Et justement, dans ses débuts, il va dans les premiers groupes à Pau, qui n'est pas encore le sein, qui s'appelle Awa, Petit Cano, et offre ses premières armes en tant que chanteur, mais en cas de jeune mondial. Ah, quand vous allez voir qui c'est, le gars a une belle voix. Et ce n'est pas pour lui faire du charme, hein. Mais là, vous glacez, l'autre en son à voix, non, on est obligé de transcender. Alors justement, il poursuit dans Cléla à Chauvel. Je crois que je donne déjà beaucoup, beaucoup de pistes. Et aujourd'hui, il est président, directeur artistique et musical du groupe Masque à Clé. Je dis bien bonsoir, mais vraiment bien bonsoir, monsieur Jean-Michel Samba. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Bien bonsoir. Alors, à côté de Jean-Michel, il n'est pas venu tout seul. Nous avons Guénaël Capé, le styliste designer qui a l'habitude effectivement de venir sur mon plateau, qu'on ne présente plus. Bonsoir Guénaël. Bonsoir Naila. Et on va le découvrir. Il a un rôle particulier justement cet après-midi sur ce plateau. On va dire bonsoir à Tiranti. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir à Guadeloupe, bien bonsoir à Maragall, bien bonsoir tout le monde qui regarde Canal 10. Au-delà de nos eaux. Alors, si je vous parle de cet homme, c'est parce qu'aujourd'hui, on a décidé dans l'événement culturel Bayaya de le mettre à l'honneur. Et pour cause. Jean-Michel a fait un parcours, on va dire, un parcours extraordinaire. Tu as su transmettre, parce qu'on connaît beaucoup Masque à Clé. On ne présente plus Masque à Clé.
on présente plus tes week-ends culturels. On présente plus ton amour pour ces jeunes dits en errance que tu donnes effectivement cette directive de récupération de leur propre identité pour en faire quelque chose demain. Donc justement, on a envie de connaître un petit peu plus de Jean-Michel. Jean-Michel, comment t'es venue justement cette idée de prendre en main justement cette culture guadeloupéenne? Parce que nous, on l'a, nous qu'a fait, on caillant les roses, on qu'a gardé, on qu'a fait le monde. Mais toi, tu as décidé de faire autrement. Alors, essaie de nous expliquer comment aujourd'hui tu es arrivé à ce cheminement. En nous mettant de dire qu'on fait l'école des Écases, mais bon. Oui. Non, mais simplement, à partir du principe que des fois, on n'a pas choisi. Ouais. On n'a pas choisi. C'est vrai que bon, ben, on a des rêves, en tant que. L'autre monde, on a dit, ouais, ou tu veux être professeur, ou tu veux faire ceci. C'est ça. Et c'est vrai que bon, ben, la famille guadeloupéenne, bon, après que. Je dirais, après la période de l'esclavage, donc il y a un point tellement frais quelque part. Mm-hmm. Hein, donc, il n'y a pas de vouloir que tout le monde ait sans mieux, à d'un travail tel là, travail comme là, parce qu'il y a souffert l'eau. Mm. Et notamment, mon maman qui, justement, elle est quoi qu'il savent, et femme de service, on vit comme ça, mais qui était femme de ménage, donc elle était nettoyée au moins 4 cases à une journée. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a les moyens pour que, bon, que nous grandissions, frère et sœur, moi. Et pour que bon ben que nous partions faire bon travail qui bon ben qui était commandé en souffrance quelque part. Okay. Et bon, c'est pour pas dire bon ben qu'on crée une école ou obligé à apprendre l'école, ah, oui. Donc voilà. Et puis au cas il y avait toutes les valeurs que famille a au cas bas, hein, donc occuper des frères, faire ça qu'il faut que pour qu'à cela propre. Ouais. Voilà, on y les valeurs dans schéma familial. Et puis, chemin faisant, on peut faire des choix, on peut faire des choix, mais en même temps, on peut voir que finalement, c'est pas là qu'on vient à vous. Et on peut contrer des mondes, on n'est pas au courant, et au fur et à mesure, quelque part, tu te laisses guider. Ouais. Tu te laisses guider, et puis bon, là, on peut lire tellement intuition, c'est-à-dire qu'on va laisser guider parce que bon, ben, vibe ça bon. Ouais. Donc, on peut faire, et puis, ben, tu te rends compte que, véritablement, que. Ou qu'à trouver à don schéma culturel, oui. Naturellement, qu'on peut contrer des grands noms. Et surtout, bon, ben, quand tu rentres dans le milieu du carnaval, effectivement, pratiquement tout le monde culturel s'est approprié du carnaval. Oui. Donc là, on peut contrer des grands noms, mais qui quand même aussi rail. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas senti à don, qu'il n'y a pas une certaine énergie, et qu'il n'y a pas ça avec un sacré bail. Mais qu'il y a quelque part, donc chemin faisant, ben, tu fais tes armes. Oui. Et petit à petit, personnalité, essence à être qu'à remonter à la surface au fur et à mesure. Voilà, oui. Je crois que c'est pour dire, est-ce qu'on a choisi un pas qu'on n'a pas choisi. C'est venu à toi. C'est l'art qui te choisit, ouais. Tout simplement. Après, maintenant, il faut être assez, je dirais, assez lucide, mm-hmm. assez lucide pour comprendre les choses. Et puis, on peut te conseiller, mais véritablement, il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de toi et être, je dirais, reconnaissant et être dans l'humilité surtout et dans une certaine sagesse. Sinon, tu n'arrives pas à percevoir ce que tu devrais, devrait émaner de toi. Quoi. Donc, c'est. Voilà. Non, pas ça que j'ai pour expliquer ça véritablement. Mais c'est bien expliqué. Mais justement, alors, pour ceux qui ont bien suivi la biographie, donc, l'autre cas, pas t'es qu'à l'école, ou t'es qu'à faire un autre apprentissage. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, je ne sais pas, bon, voilà, là où j'ai entré au lycée. Ouais. Au lycée, bon, j'ai des copines à filmer. Donc, c'est même pas de timidité encore pas d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des copines à, voilà. Donc, pourquoi veut bien? Donc, finalement, quand il descend de la pointe, il va déjà tirer vers le tambour là. En tout cas, Maron, rassurez ça bien, c'était science économie. Mm. En tout cas, Maron, science économie. Et puis, parce que son matière était aimé, mais en tout cas, comprendre les bidets rapidement. Rapidement, oui. Voilà. Donc, il fait une décaille à la pointe, il fait une décaille à tambour là. Bon, décaille si boulevard là, écoutez, la bonne à Chiron, tout ça, la bonne à Doug, au moment que tu as sonné aussi. Et puis, ni des mounes qu'on stone, qu'on.
tous ces bougas ça qui te fait longtemps la pointe avec des tambours, tu as joué vraiment dingue tout ça, tu as fait aussi ton tandem aussi. Donc on t'a charmé par ces messieurs, on t'a charmé par le caillou, ça que tu as transpiré quoi. C'est vrai, c'est, on t'a vraiment attiré. Là, on peut te connaître la piétonne, hein, parmi ça aussi véritablement. C'est très résistant. Voilà, tu as fait un coup masse comme ça, contre tout le monde qui a fait un coup masse comme ça, un coup masse marron, avec les amis ici sans main. Donc voilà. Alors justement, nous arrivons à l'année, effectivement, où décidé, ben, où j'ai fait tout le parcours à Nodila, où j'ai intégré dans plusieurs groupes, où j'ai commencé à, comme dit, j'ai fait mes premières armes. Et arrivé justement à ton groupe que tu montes, ton groupe culturel, quel objectif et quel message à ce moment-là tu essaies de faire passer? Alors, le groupe, je ne l'ai pas créé. Donc, t'as pas créé, rectifier. D'accord. Non, on remet à César ce qui appartient à César. Moi, j'estime que je suis un héritier. Okay. C'est-à-dire que, parcours là simple, hein, donc, partir du groupe AWA, par mes amis que je salue, hein, les Lankoro, tout ça, ils vont reconnaître eux, parce que c'est le premier anniversaire, les premiers, c'est la marée dansée à l'Oasis, Antigène Thibault, la famille Ronald, tout ça. Et puis, donc, on a commencé effectivement qu'à graviter, parce que le groupe a été à l'Oasis, on a commencé qu'à graviter à l'entour à Saint-Messien, on était attiré par le tambour. Et puis, il y a un grand homme qui s'est. Comment il s'appelle Henri Angel, Henri Angel, défunt Henri Angel, et qui pour moi joue avec capable moins de solo là, capable moins de tambour, voilà, il a expliqué moi débuter. Mais bon, en cas joue oublié qu'il a expliqué moi, mais en passant si vous voyez dans mon en passant, et donc eh ben du groupe AWA, après ça on fait le groupe Tigano, le groupe Tigano où on découvrait la famille L'Union. Et c'est Hermon qui est le tube qui mène moi à Ticano. Et donc rencontrer des gens comme Laurent Charles qui était bassiste à café et que bon il était parlant de café mais pas apporté ça parce que c'est des gens qui ont rencontré et puis les frères L'Union ont appris à tanner pour apprendre à débiter à confectionner des instruments tout ça et c'est là on commençait à jouer Tibouin solo quoi. Et puis après effectivement aller moi en groupe la clé. D'accord, là, vous vous rappelez, en 98, arrivé là, et puis on trouvait justement, rencontrer les membres fondateurs, les membres Kazako, Pedro, Morvan, Jean-Marc Tudor, Henri Piratou, c'est eux qui sont membres fondateurs. D'accord. Et là, on a dit, vous plavez une trappe en scission, et moi, je trouvais moi, dans ces groupes. Ouais. Et de là, l'aventure avait démarré, et à Rue-Lucina, on a monté un groupe musical parce qu'il fallait concurrencer l'autre groupe. Oui, bien c'était sûr. C'était vraiment compliqué, cette période, où chaque personne voulait s'affirmer. On a monté le groupe musical. Et donc, on a commencé à répéter aux Abîmes. Et Patrick Cellini, justement, qui était, je dirais, le fer de lance. Et qui a vraiment dépouillé, ouvert chez même en nous. Et qui fait que bon, et on m'a choisi en tant que directeur musical et artistique. Ça a démarré comme ça. Je n'étais pas président, c'est Paul Antin qui était président. Et chemin faisant maintenant, ben, il y a eu dans le groupe des décès du président Paul Antin. Après, il y a eu Patrick Cellini. Donc, j'ai assuré l'intérêt du groupe et puis j'ai constaté que finalement que j'étais on m'a choisi comme fédérateur et voilà l'aventure est partie et puis et par mon métier d'éducateur effectivement en montant des projets tout ça donc j'ai réussi à de façon je dirais collective à embarquer un peu masque à clé avec tous les membres je dirais bénévoles c'est important de le dire c'est une grande qualité d'être un bénévole et donc les gens se sont réalisés avec moi à travers les projets de Masque à clé. On a pu, je dirais, ensemble réaliser de belles et grandes choses. Ouais. Et alors, l'aventure n'est pas terminée. Mais je pense bien. Donc justement, de cette expérience musicale, tu as voulu transmettre. Je sais que par Masque à clé a eu effectivement énormément de succès. On se découvre le premier album qui a été fait de Masque à clé qui est sorti en décembre 99. Après, on finit hein, de 2010 à 2015. Il y a différentes scènes et salles mythiques où vous êtes produits. Mais justement, aujourd'hui, plus de 20 ans après, qu'est-ce que Jean-Michel Samba a envie de transmettre ? Eh bien, ce que j'ai reçu. Hein. Donc, je pense que les gens qui transmettent, moi, ils n'ont pas. Si c'était pour te garder, peut-être qu'ils choisissent moi, peut-être pas pour tout le monde qui a été capable de transmettre des mythes. Mais je pense que j'étais à l'écoute et je dirais le. Un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Ces trois dimensions-là, ça, ils transmettent moins par les mots rencontrés, hein, donc au niveau du gros cas. J'ai beaucoup discuté parce qu'on était très, très proches, un peu moins maintenant, avec Frise Naffaire, que j'allais regarder sur le boulevard.
nous venons et nous finalement nous battons très très loin dans la vie. Donc voilà, parole coûte. Ce qui fait que bon, on a beaucoup discuté parce que le truc c'est que au-delà d'apprendre à jouer, je vais venir sur ceux qui m'ont appris à pratiquer véritablement. Mm-hmm. Le gros cas c'est, je dirais, au-delà d'être une musique, c'est un savoir-vivre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la conjoncture, il faut comprendre la société, il faut comprendre la société guadeloupéenne, il faut comprendre un peu son histoire, il faut s'imprégner un peu de tout ça. D'accord. Et bien comprendre que le tambour, qui est un instrument de liberté, c'est aussi un instrument d'engagement. C'est un instrument d'engagement. Donc j'ai beaucoup discuté avec ces grands hommes. Aucun moment, même qui me disait, moi, je n'ai pas les roses encore. Et je ne comprenais pas pourquoi ils n'y allaient pas. Mais parce qu'ils me disaient que l'esprit est en train de changer. Voilà quoi. Que ça n'a pas même mis tellement encore parce qu'ils n'ont pas trouvé le côté engagement là-dedans. Donc ils avaient commencé à prendre un peu de recul. Mais ça, j'étais encore trop jeune pour le comprendre. Donc chemin faisant, j'ai rencontré d'autres personnes, notamment François Ladrizeau, que j'ai rencontré à Parc et Jardin, puisque bon, j'étais chef de groupe à Parc et Jardin où on travaillait énormément sur tout ce qui était aménagement paysager et les plantes médicinales, tout ça. Mm-hmm. Encore sous mon chemin, j'ai rencontré d'autres mondes, hein, qu'on café, qu'on Robert ou Maou, et tous les autres, je dirais les autres personnes que tu échanges avec eux en termes de au niveau chant, au niveau jouer tambour, il y a des choses que tu arrives à comprendre. Mm-hmm. Mais ce qui pour moi qui est très très important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça. Et le truc c'est que j'ai eu la chance par le biais de Masque à Clé de pouvoir mettre en place des ateliers. Et effectivement, j'avais commencé à mettre en place des ateliers avec le groupe Ticando pour les enfants. Et puis, c'était pour moi une suite naturelle. Ouais. Et en travaillant en termes de solfège, en termes d'études rythmiques, en faisant des interventions dans les centres de personnes en situation d'handicap, des autistes, des enfants qui ont des troubles, du comportement. Et on voit l'effet que ça fait, on se dit, ok, il y a quelque chose. Et chaque personne dans mon parcours, et ce n'est pas encore fini parce que j'ai encore du monde à rencontrer, chaque personne à son niveau a pu me transmettre quelque chose dans la pratique, dans le toucher et dans le découpage. Ouais. Donc j'ai pu comprendre un certain nombre de choses, et ce qui fait que je navigue dedans et j'arrive, à transmettre à quelqu'un, en cas de ça, sans prétention, à le débloquer. À le débloquer, parce que la rythmique et le son du tambour, ça a une incidence sur le corps humain. Et quand on a une approche pédagogique, on arrive à transmettre des choses et à comment dire ça, que la personne qui au départ se dit que je ne connais rien, avec ça et pas connaître là, pourquoi réussir à fond meeting finalement qu'elle connaît. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'était vraiment dans la pratique. Et puis après, qui n'est pas sorti encore, mais j'ai une méthode pédagogique que j'ai montée pour au niveau du MASAPO, une méthode pédagogique où on a pu faire des masterclass à New York, à Porto Rico, au Canada, je ne peux pas tout dire puisqu'il n'est pas sorti, il est encore en gestation, mais je l'ai déjà expérimenté, où on peut apprendre très très vite avec une certaine pédagogie adaptée, on peut apprendre très très vite à jouer du broca. Et puis ce qui est important aussi, c'est jouer pour jouer, c'est bien, mais il faut véritablement, c'est pour ça que je dis que l'étude rythmique et c'est très très important, dans la mesure où l'on va jouer broca, fort savent l'attendre là, fort la savent l'attendre fort là, fort savent la et la syncope là, et ça c'est important. Il te faut t'approprier le son, et comme me disait Café, et un pays hélas nous menons à et bien il y a toujours ça que va falloir nous toucher digital. Donc chaque fois qu'on fait médium là, il faut les mêmes médiums là. Et si vous décidez de changer, c'est vous qui décidez de changer, parce que le piano là va manier deux et bien chaque fois puis j'ai qu'à avoir un do. Donc maintenant c'est à savoir quelle pression que tu te donnes dans la tête qui va dans la main pour avoir la même note pour actionner la membrane. Donc tout ça, ça te forme, et moi je dis qu'aujourd'hui effectivement oui, je suis prêt à transmettre.
Et dans mon parcours, eh bien, certainement, je finirai peut-être musicothérapeute sans prétention. Alors justement, dans cette transmission, Jean-Michel, tu as été, t'as augmenté le niveau. Parce que c'est vrai qu'on on découvre une pépite que tu nous livres, que tu nous as livrée il n'y a pas si longtemps. Les personnes de la presse ont eu ce plaisir de le voir en avant-première. Mais dans cette transmission, tu parles toujours culture. Et justement, il y a des témoignages qu'on va écouter de ces personnes qui ont vécu cette aventure avec toi. Yécric, je vous invite au Cinéstar pour l'avant-première du clip de mon titre Jadinla. C'est le jeudi 17 décembre à 19h, une séance spéciale pour une soirée événement, une projection unique. Avec la présence de la réalisatrice Mariette Montpierre, l'équipe de production et plein d'autres surprises. Billets disponibles au Cinéstar et sur leur site internet. Yécric, non de Bélitas. Salut, c'est Dave Martial, réalisateur du titre de Jean-Michel Samba, Jadinla. Nous travaillons ensemble depuis 2018. Notre collaboration a donné naissance au titre Tracé Chemin de Mascaclé. En 2020, nous revenons avec un nouveau single, cette fois-ci au nom de Jean-Michel Samba, Jadinla. Afin de donner du relief à ce titre, nous nous sommes entourés de musiciens tels que Sonny Troupé à la batterie, Joby Julien au marquage percussion, Stéphane Castrier à la basse, La Main Ferme de Kadji au Chacha Calbas, Gladys Adèle et moi-même au chœur, et moi pour le reste, les arrangements, les claviers, voilà, et la direction. Jadinla pour moi est un titre qui se veut mettre en lumière la beauté du papillon Guadeloupe. Tout comme le jardin d'Éden décrit dans la Bible, il ne tient qu'à nous d'aimer, de chérir et de respecter le pays Guadeloupe. À travers ce titre, Jadinla, Jean-Michel distille un message de paix et d'amour pour le peuple Guadeloupe. Bravo, Monsieur Samba. Bien, bonsoir tout le monde. Joby Julien, en cas Didier Timo, effectivement, parce que en cas fait partie d'un bel projet, puisque l'élève Martial, c'est qui crie moi, pour dire moi que effectivement que Jean-Michel Decaille travaille ce projet-là, ça. Donc là, il dit moi qu'il est parti. En tout cas, très très content parce que là, pour tes titres là, on dit simplement qu'il est plongé dans l'univers à Jean-Michel. Et là, pour tes textes là, qui ont un texte très très fort et qui n'est pas utopique, hein, puisque c'est des vidéos qui sont possibles. C'est qu'il a parlé des jardins, il a parlé des pays, en jardin, où là, il n'y a pas de religion, où là, il n'y a pas de politique, il n'y a rien, et que la loi, c'est l'univers qui a régi la loi, ces lois-là. Donc son bel projet, on est très très content de faire partie de ce projet-là, ça. Il n'y a qu'à penser que ça qui est très très loin. Merci au loup. Bonjour les peuples, moi c'est Chouba, guitariste à Mascaclé. Encore remercier M. Jean-Michel Samba, président là, et invitez-moi en l'éclipaille. En dit M. Oussa, avant pas belle beau, dit-moi pas inquiété, nous que gérer ça au maquillage. M. qu'a fait un bel travail, travail là toujours qu'a fait en bas feuille. Eh bien, bonne continuation. Et songez, achetez ces dés-là. Pas grave. Salut, salut, Gladys Adèle, choriste. Je fais aussi partie de la section musicale de Mascaclé. Ma collaboration musicale avec Jean-Michel Samba dure depuis une dizaine d'années maintenant. Donc il a fait appel à moi pour le morceau Jadinla et c'est tout naturellement que j'ai accepté. Jean-Michel Samba pour moi est un artiste engagé, un artiste de cœur. Il y a l'homme, il y a aussi l'artiste, mais l'homme aussi est un homme de cœur, avec beaucoup d'humanité en lui, surtout dans ce monde qui ne l'est pas toujours. Donc quand il a fait appel à moi pour ce projet, et j'ai écouté la première ébauche, j'ai été tout de suite conquise. Et puis j'ai imaginé ce jardin qui était pour moi dans un premier temps physique, où j'aperçois ces belles fleurs, beaucoup de verdure, de belles rivières et aussi de belles femmes. Donc ce jardin qui nous rappelle aussi notre belle Guadeloupe, avec toutes ses couleurs, toute sa verdure, ces magnifiques rivières et puis surtout ces jolies
jolie femme. Et dans un deuxième temps, ce jardin pour moi était spirituel. Un jardin spirituel où l'amour emporte sur tout. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les chœurs sur ce morceau. Donc voilà, donc Jean-Michel Samba, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec toi. J'aimerais te dire que dès que tu as besoin de moi, je serai là pour toi tant que tu le désires, d'accord? Parce que j'aime ta musique. Ta musique, elle est belle, elle est métaphorique et je trouve ça extraordinaire, d'accord? Donc, ben écoutez, je vous laisse visionner le clip et apprécier la musique, sa musique en tout cas. Alors, Jean-Michel, j'ai entendu que tu as dit à pas tout le monde qui est partagé, hein, mais. Merci en tout cas de me l'avoir fait partager et merci encore pour tout. Je t'embrasse. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets à venir. Bisous. Jean-Michel Samba est quelqu'un qui est très cher à mon cœur. C'est un ami que je connais depuis plus de 20 ans. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer. C'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Et à côté duquel, moi aussi, j'ai grandi et j'ai appris beaucoup de choses, et particulièrement la sagesse. C'est quelqu'un qui est tempéré, qui fédère et qui fait preuve d'une très grande sagesse. Il est attaché aux traditions et à tout ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. C'est un homme que j'admire. Jadinla est à son image. Pour moi, c'est la suite logique. Après Marchella, c'est une suite logique. Jadinla, pour moi, représente le monde tel qu'il devrait être, proche et ancré dans sa nature. Cette nature qui nous soigne et qui nous nourrit. Je souhaite à Jean-Michel une longue vie, une longue route parsemée de succès et félicitations pour ce morceau que j'adore. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Michel. Ben ça y est, ce soir c'est le grand soir, hein. La sortie en avant-première de Jadinla au Cinestar. Un clip auquel j'ai pris énormément de plaisir à participer, entouré ben, de Jean-Michel Samba, Marie de Montpierre, Mathilde, l'équipe de Zando Les Prod, ainsi que ben, tous les acteurs et participants. Les images sont magnifiques, le clip est magnifique et il colle bien à la chanson de Jean-Michel. C'est un petit chef-d'œuvre, hein, que vous allez découvrir. Maintenant, Jean-Michel, on se connaît effectivement depuis plusieurs années. Tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ben, pour ta personne déjà et pour tout ce que tu fais autour de toi. Donc, si tu as besoin d'un jour d'un coup de main, alors pas pour jouer de la guitare parce que je suis pas très bon. Ce sera avec plaisir que je serai là. Je te souhaite un succès donc avec Jadinla et puis à tout le monde de passer une excellente soirée. Alors, j'ai su que vous avez su apprécier les témoignages des personnes qui ont effectivement évolué autour de Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, justement, explique-nous un petit peu, ben, ce qu'on, parce que les gens te disent, mais pourquoi les témoignages? Alors, pour quelles raisons tous ces gens-là sont en train de te féliciter, sont en train de t'encourager? Qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Non, tout simplement, c'est-à-dire que l'avant-première qui s'est faite au Cinestar jeudi, par rapport aux normes sanitaires, il nous fallait tout recalculer, tout imaginer en termes de projection. Donc du coup, ben, tout ce qui allait être dit, je dirais, en présentiel... Ouais, ben, a été dit sur la vidéo. Voilà, a été retranscrit au niveau de la vidéo. Et puis, les gens que... Les témoignages qui sont touchants, hein, ce sont des gens qui sont autour de moi, où on avance ensemble sur les projets ça fait un moment qu'on bosse ensemble et donc ils savent comment je suis, comment voilà. Bon, c'est vrai que quand on entend quoi dire, à part qu'on s'en rie, c'est on a dit tellement bitin. Ouais. Non, mais je
ça commence par moi, bon, c'est oui. C'est ça. Parce que bon, quand je bosse avec quelqu'un, c'est que bon, moi je vais jusqu'au bout. Hein. Donc c'est comme ça. Et puis, donc je dirais, tant qu'au niveau musical ou au niveau professionnel, il faut aller jusqu'au bout des choses, tout simplement. Et au niveau de l'association, au niveau du bénévolat, je dis encore, c'est une grande qualité. Quand on... Même si ça nous coûte, parce que ça coûte, ça peut coûter au niveau de la famille, au niveau de beaucoup de choses, mais quand on s'est engagé, ben on essaie d'aller jusqu'au bout parce qu'on sait que, qu'il y a une génération qui doit avoir des armes assez solides. Et je pense beaucoup à mon fils qui a 14 ans. Ouais. Eh ben, là, il faut être à leur côté et leur transmettre ce qu'il faut et un certain nombre de valeurs pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Donc les témoignages sont poignants. C'est chaleureux et je remercie vraiment toutes ces personnes. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça que je suis, hein, mais leur dire que c'est. Mais au fond de moi, c'est véritablement l'amour. Donc tu ne peux que recevoir que de l'amour quelque part. Donc, Mais justement, sur le plateau, il y a un des acteurs qui a participé à ton projet, je pense aussi quelqu'un qui était très proche. On va se tourner vers Tirandi. Alors justement, dans le projet avec Jean-Michel, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que t'as des rôles dans ce projet. Alors, comme il dit, il ne sait pas s'il se connaît comme ça. Toi qui le côtoies, comment il est vraiment, Jean-Michel? Alors, c'est quelqu'un que je découvre. Ok. D'accord. Et comme tu dis, j'ai eu des rôles parce que je le découvre, mais il ne me dérange pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Il est plaisant, agréable. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas son ventre qui fait qu'il est confortable, mais je le sens. Je me sens humainement confortable. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dérange, malgré le fait qu'il... qu'il ait un parcours, oui, tu vois, et c'est pas quelqu'un qui t'écrase, voilà. Non, il prend pas la tête, pas la tête, c'est pas qu'il se prend pas au sérieux, mais tu te sens à l'aise. Et donc, justement, on s'est senti à l'aise, je me sentais à l'aise, et ça a matché, je crois. Ouais. Ça a matché, puisque on s'est rencontré par un ami commun, Joël, qui n'est pas là, et... Très belle expérience. Justement, comment tu as vécu cette expérience? C'est vrai qu'on va regarder, tu as le personnage mystique, mais plus encore, je pense qu'à travers, parce que vous avez été baigné pendant toute cette production, pendant tout le tournage, dans l'idée qui sortait de la tête de Jean-Michel, qui a été réalisée par Mariette Montpierre. Alors, comment tu as vécu cette expérience? Alors, il y a un tournage, c'est pas évident. Ouais. C'est contraignant, il faut arriver à l'heure, c'est faut rester là, même quand t'as fini ou avant. C'est contraignant, ça, c'est contrainte. Mais justement, le travail, sachant que c'est lui le maître du projet, que lui, il est agréable, etc. Donc là, ça a été tout naturel. Voilà, ça passe un peu, ça passe beaucoup mieux. C'est ton premier rôle? Non, du tout. Je suis un habitué de la caméra. Mais... Vous avez vu comment il dit ça? Il dit ça tellement timidement. Je suis un habitué de la caméra. Je suis un habitué, mais c'est pas. C'est, chaque rôle est pris. Je viens pas à l'écran comme si j'avais l'habitude. Mm-hmm. Je prends. T'avais déjà écouté la musique avant de venir? Si, ouais. Je fais pas n'importe quoi. T'as entendu, Jean-Michel? Attention. Hein? Et donc, justement, lorsque Joël me dit, ouais, est-ce que ça te dirait de participer à un projet de. J'ai dit, ouais, c'est quoi? Ouais. C'est quoi? Puisque j'ai également. Mais c'est pour ça qu'on se comprend et que je le trouve agréable et que il est plaisant à découvrir. C'est-à-dire qu'on a le même. On est sur la même branche. Et au-delà d'être sur la même branche, il a franchement une manière de penser et d'amener les choses qui me convient énormément. Et donc, tous les témoignages qui ont été dits là, tout ce qui... Oui, c'est comme ça, rien ne s'est mal. Et d'autant plus que le jour de l'avant-première, et comme on s'est dit tout à l'heure lorsqu'on s'est rencontrés, il y avait énormément d'émotions. Ouais. Et je le sens sincère. C'est pas une sincérité fabriquée, c'est pas une sincérité superficielle, il est profondément sincère. Et même s'il aurait été maladroit, même s'il aurait été tout ce qu'on veut, mais je le sens sincère. Et dans cette démarche-là, ça, j'ai été agréablement surpris, même touché, lorsqu'à un moment donné, il a juste dit « maman ». Ça m'a mis en face de lui, le gars est parti dans toutes ses émotions et c'est... Et ça fait de lui un bel homme.
un bel homme, un personnage. Ben ouais, pour moi, c'est ce qui rend un homme beau. C'est-à-dire qu'il sait travailler, qu'il sait mener à bien des projets, quelqu'un qui va au bout des choses, mais aussi qui est sensible, ouais. qui va fondre en moins de deux lorsqu'il va parler de sa mère. Et donc, justement, le fait qu'il fonde comme ça, ça montre qu'il est très sensible. Quelqu'un de sensible, et donc, justement, dans le côté culturel, c'est important. Il y a trop de personnes, on ne va pas s'attarder à ça, mais qui sont là, histoire d'être là. Oui. Et lui, c'est vraiment par on sent qu'il est là, ça le touche. Ouais. Ça le touche d'être là, ça le touche de faire ce qu'il fait, qu'il aime ce qu'il fait. Lorsqu'il travaille avec quelqu'un, apparemment, c'est qu'il apprécie la personne. Et donc, c'est quelqu'un de plaisant. Alors, on a aussi une deuxième personne, parce que ce plateau, effectivement, est entouré de personnes qui ont participé à ton projet, Jean-Michel. Il y a Guénaëlle. Guénaëlle, effectivement, quand on va bientôt voir, on verra ses créations. Donc, Guénaëlle, justement, ton expérience sur ce tournage avec Jean-Michel Samba. Alors, moi, c'est grâce à M. Joël Dubourg et Mme Mariette Montpierre qui m'ont proposé de collaborer avec le tournage du clip. Donc, c'était au début stressant, puisque je ne savais pas trop ce qu'il fallait. Ouais. Comme accessoire. Donc, ils m'ont fait écouter la musique, un petit morceau, un petit bout, et je suis rentrée dedans totalement. C'était. Même sous la route, en fait, je fredonnais. Mais au début, j'étais pas. C'était la première fois que je collaborais sur un tournage de clip, on va dire. Ouais. Et j'étais un peu sceptique. Je ne savais pas si mes pièces allaient convenir. Ouais. Et en fait, ça a matché tout de suite. Donc j'ai été inspirée et ça m'inspire encore pour la prochaine, pour la suite. Quand j'ai rencontré M. Jean-Michel, c'est quelqu'un de simple. Ouais. Ouais, je m'attendais à une personne plus... était simple, pieds nus dans la rivière. voilà, qu'on attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et puis voilà, j'ai kiffé, et kiffé, j'ai aimé. Ouais. Et puis voilà, le clip est magnifique. Les gens ne se rendent pas compte que c'est compliqué de en fait, ils voient le clip fini, mais pendant la conception, la réalisation, il y a tout un processus, il y a plein de choses qui n'ont pas forcément, et à la fin, c'est juste magique de voir le résultat de quelques minutes, mais il faut vraiment des heures et du stress, de la transpiration, des moustiques, les gens, pour pouvoir arriver à... un beau projet. Un projet, mais c'est magnifique. Le résultat, le rendu, c'est juste beau. Mmh. Ben justement, voilà. On va inviter Jean-Michel à prendre place devant ce qui lui permet, l'outil qui lui permet effectivement de transmettre cet héritage à nos jeunes, nos plus jeunes, nos plus grands jeunes. C'est-à-dire que toute cette expérience qu'il nous a parlé durant cette émission. Donc Jean-Michel va vous faire ce prélude et suite à son coup de tambour, on va vous faire découvrir la pépite de Jean-Michel Samba. Côté la Samba, libelle qui en diamant. Côté la Samba, libelle, comprenons, coco, j'envoie. J'allais la Samba, j'allais la Samba. Thank you.
ça belle et belle. Les belles qui ont diamant. Côté là ça belle et belle. Mon bon nom beaucoup j'aime ouais. Mon petit jardin secret. Mon petit côté caché. Mon petit jardin secret à pas nous tout. Qui que pao caché. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Mon petit côté caché, mon petit jardin secret à pas nous tout. Qui que pao caché. J'adore ça, 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 j'adore ça. Maman toujours dit nous, parle mal pour mal. L'histoire toujours dit nous, l'ami ne fait pas le moine. Il va rentrer en jardin là. Et dit ça, et ouais, mon grand marin, c'est péché, ton pas, pas la paix. Tout bateau, parole en bouche, que toujours vient doux. C'est bleu, plein soleil, la bonne ouche, que tu mis aux yeux paradis. L'eau claire, gros claire, y'a des cisères, que tu mis, t'es que mis outils. Si on est mouillé, la pluie, si t'en dois, la crée naturelle. Ou que ni en loi. On dit côté caché, on dit jardin secret à bas nous tout qui que pao caché. Religion, syndicat politique, c'est que l'amour. Gloire, c'est que béni, que toujours tini. Toute merveille, c'est que pour lui, Alice, c'est que là. Ou que ni, on roi. Au jardin, la magnifique clip de Jean-Michel Samba. Sincèrement, Rad Zotini, un bon cadeau de Noël. On lui remercie grandement parce que franchement, on le nous fait chanter d'autres bites, ben nous qui pensons à Kilti, à Jardin, là, qui effectivement, que nous toutes ni en fond qui en nous et qui quelquefois pas accessible, mais si nous bien prenons, nous peut laisser des mouns à bon quai. Des mouns qui bousent et nous pas bien voir que, à notre transmission là, ça, mais Jean-Michel, oh, au top. Hein. Ah, pas ça, c'est bon, au top. Ah, mais Mara, du haut, top. En tout cas, je te l'ai dit. Merci. Alors, pour tous ceux qui ont regardé le clip, il est disponible, bien entendu, sur la chaîne YouTube de Jean-Michel. Mais je pense qu'il y a bien, bien d'autres personnes que tu tiens à remercier. Ben, on te laisse le temps de la minute. Ben, bien sûr. Donc, déjà, je remercie l'équipe, hein, staff, qui, dès le départ, était sur le projet avec moi. Donc, Mathilde Racine, Joël Dubourg, Ursula, enfin toute l'équipe de la genèse, ouais. D'accord,
Et Mariette Montpierre, la réalisatrice, quand on a Joël Dubourg m'a permis d'approcher et lui soumettre le projet. Donc elle a kiffé tout de suite. Donc, ouais. Donc je lui ai donné les grandes lignes et puis elle a pondu ouais, quelque chose. C'est une cinéaste qui allait vraiment véritablement à mon sens. C'est vraiment un travail, je dirais, collectif. Donc il n'y a rien qui a été imposé. Donc pour moi c'était. Voilà, c'est une bonne base de travail. Et puis, je ne peux pas oublier tous les acteurs qui ont participé, tout ce qui est Tyran ou Tyran, je ne sais pas, Tyran. Tyranti. Voilà, il y a Davis et Ross, il y a eu Roger Zeb, il y a eu Jérémy Coquin avec sa fille. Bon, voilà, une bonne trentaine d'acteurs. Ouais. Et aussi beaucoup de partenaires, notamment, alors il y a Genaël, en tant que styliste aussi, avec mm-hmm. les accessoires et tout, qui nous a donné beaucoup de main sur, et que je remercie véritablement, parce qu'il aurait pu dire non. Ouais. Il y a le styliste. Moda, Didier Saint-Marc, qui nous a mis ses locaux pour le casting, parce qu'il y a eu un casting et tout, donc et qui nous a conçu les premiers vêtements. Donc il y a encore d'autres personnes, d'autres, j'oublie un peu, je ouais. dirais, d'autres partenaires qui ont été Zandoli Wood en coprod avec Mr. Nils. Mm. Ok, super job. Guada Film, comme je disais, avec Mariette. Et puis, pardon ? Les danseurs. Ouais, les danseurs. Les musiciens. Ludovic, alors je tiens à préciser Ludovic, le danseur, ben c'est lui qui a conçu les vêtements des danseurs, ouais. par exemple. Donc lui aussi est styliste. Ouais, donc mais tout ce beau monde, au fur et à mesure, ils seront sous des plateaux avec moi, parce qu'il faut aussi les mettre en lumière. Donc ouais. C'est ce que j'aspire à ça. Donc Johanna Ficadière, la costumière, mmh. et puis tous les. Il fallait trois maquilleuses. J'avais pas compris pourquoi trois maquilleuses. Mais quand tu as cette dimension-là, ouais. avec une trentaine d'acteurs, avec autant de scénettes, il faut aller véritablement. Et puis, je dirais, tous ceux qui m'ont donné un coup de main. Et puis, Dave Martial, le réalisateur du titre, hein, qui ouais. a été vraiment dans mon sens. Et me conseiller, qui m'a conseillé les musiciens et véritablement m'a dirigé par rapport à l'objectif que je voulais atteindre. Mm. Et bien, véritablement, c'était vraiment, je dirais, cet objectif qui nous a permis d'être dans ce jardin où nous sommes aujourd'hui. Et puis après, il est pour B20. Et puis, ouais. l'amour pour tout le monde, tous ceux, tous les téléspectateurs, les gens qui me suivent, masque à clé, au nom ouais. de Veritas, qui sont toujours là avec moi, et c'est, ça serait jusqu'à la mort. Et puis, et tous les médias qui me soutiennent, et notamment Canal 10, au nom de Veritas. Palasso Ayomounia. Merci Jean-Michel, c'est vrai qu'on arrive à la fin. Donc vous avez pu voir, ce plateau a été magnifiquement achalandé. Ce que je porte effectivement est fait par Genaël Design. On a bien vu dans le clip toutes ces femmes portaient effectivement des magnifiques colliers à sa réalisation. Donc Genaël, sincèrement merci. On ne fait que kiffer. Donc on continue. Donc Tiranti, j'espère qu'on va te suivre. On va suivre ton actualité. Donc pour ceux qui sont déjà de l'autre côté, qui fêtent déjà, joyeux Noël. Nous, c'est au soir là. Nous, quand mettez-nous à table pour nous prendre un petit cochon là, paradibois, dirila, ziyam là, shrob là, vin d'orange. Nous n'avons pas de boudin là. Justement, Jean-Michel, oui. Non, c'est pas nous parler de boudin. Oui. Juste aussi, j'ai oublié de remercier l'association des cuisinières. Ah, tout à fait. La personne de Claudia Guillon qui était présente pour le clip et le président Théophile qui était présent à l'avant-première. Donc, puis on dit en belle force. Et puis, comme nous parler de boudin, c'est de manger aussi, nous quoi parler. C'est ça, effectivement. Donc, voilà, et donc ça revient. Mais mille excuses si on a oublié des mondes. Mais la liste, elle est tellement longue qu'il n'y aura pas assez d'émissions. Tout à fait. L'émission arrive à la fin. On ne peut souhaiter que joyeux Noël à toute la Guadeloupe, toute la Martinique, la Guyane et bien au-delà. Merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. Canadis est avec vous. Je vais bien entendu remercier ma famille. Joyeux Noël à la famille d'Aubin. Joyeux Noël à ma famille de l'autre côté, à mes sœurs et frères. Et joyeux Noël à tout ce beau monde. On remercie bien entendu Yann pour la réalisation et mes collègues du CMS. Je vous dis joyeux Noël à tous, on big up, anti-pensée basote. Allez, on se retrouve pour la prochaine, ce sera ma rétrospective de l'année, sinon à l'année prochaine.